Bonjour, ravi de vous rencontrer. Hein, pour hein, votre renommée vous a précédé. Donc, et la vôtre encore hein, plus. Non. On a tous besoin. On a tous besoin. Mais on a la force qu'il faut quand même. C'est la force qui vient de toi. C'est ça. Mais moi j'ai besoin de la force aussi. J'ai besoin de vous. Voilà. Donc quand les deux forces se rencontrent, il n'y a pas de force. Pas de force. Bienvenue. Ça va bien. Enchanté la famille, ça fait plaisir. On dit qu'on est en France. Je pense qu'il y a des questions de fond à se poser. Il y a une problématique aussi identitaire sur laquelle on doit se pencher. Il y a des inégalités sociales parce qu'on nous parle du vivre ensemble, mais le partage des richesses n'est pas fait effectué de telle sorte que tout le monde soit ensemble. Et donc, partons de ce principe-là, oui, il y a un combat qui est mené. Il y a des gens, notamment ceux qui sont ici, qui m'ont invité, qui estiment des multitudes d'associations de la communauté CAF, qui estiment que leur voix n'est pas entendue, qui estiment que leur voix est méprisée. J'ai eu des témoignages qui m'ont donné les larmes aux yeux ces derniers jours. Je vais vous demander une première chose, parce que tout a été fait pour que vous ne soyez pas présents ce soir. Les médias coloniaux se sont amusés à dire que le meeting était hier et non pas ce soir. Tout a été fait pour que le peuple ne puisse pas se réunir. Mais votre présence ce soir est la plus belle des réponses à l'impérialisme français. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous applaudir pour votre présence. De toutes les couleurs, de toutes les ethnies, de toutes les origines. Mais un peuple qui s'appuie sur la souffrance de la matrice du peuple qui est venu en premier ici, en l'occurrence le peuple a été porté, car en tant que tel qui a été longtemps ostracisé, que je vous demande un peu plus s'il vous plaît, parce que c'était tout en fait matriciel de cette communauté. La seule chose que j'ai à gagner, c'est que le peuple réunionnais cesse d'être traité comme un peuple de colonisé. Voilà la réalité qui est la même. Aimé Césaire disait que le nègre au départ c'était l'Africain ou le descendant d'Africains esclavisés, mais qu'aujourd'hui le nègre c'est celui qui est considéré comme un opprimé, comme un damné de la terre, comme un colonisé en tant que tel, et donc le nègre est de toutes les couleurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a des nègres CAF, c'est ce qui fait qu'il y a des nègres YAP, c'est ce qui fait qu'il y a des nègres MALPA, tous ceux qui sont considérés comme des citoyens de notre temps sont issus. La Réunion, on vous dit que c'est un département français, et je souris souvent pour ce cela, un département dans lequel la France accepte que 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous trouvez ça normal? Je ne vous entends pas, vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, dans les 40% de la population qui vit dans un état d'extrême précarité, une grande partie de ces 40% est issue de la communauté CAF.
Mais quand on dit ça, le pouvoir central français vous dit « Ah non, vous êtes des racistes anti-oreilles. » Mais pourquoi on est cher parmi ceux qui empêchent la population d'avoir accès à un travail alors qu'ils sont parfois bien plus diplômés que les charmants? Pourquoi il y a autant d'étudiants réunionnés en France? Et j'ai compris par la suite que dans ce pays, il y avait un nettoyage ethnique et politique et social. Nous sommes des hommes libres. Nous n'avons pas de menace. Même quand vous nous mettez les menottes, nous sommes libres quand même. Parce que la plus grande des prisons, ce n'est pas la prison physique, mais c'est la prison mentale. À nous la détresse que nous vivons. Et moi, Minoré Diazot, franchement, mais c'est que nous, politiciens, fait. Aujourd'hui, les gars, en 2-3 jours, t'es capable d'expliquer à nous ce que la norme, on prend encore jamais expliquer à nous. Franchement, tu m'arrêtes. À nous, les gars, à nous. Aujourd'hui, tu viens de se passer. À nous, les gars, à nous. Franchement, je vais expliquer comme tout ce que tu dis. Et franchement, c'est ça, nous, la besoin. La roulette politique que nous reconnaît à nous dedans. Aujourd'hui, comme regarde de les yeux, nous reconnaît à moi, Fabio. Nous reconnaît à moi, Fabio. Et non, il est facile de mettre la faute sur les gens. Mais est-ce que nous, nous le prenons réellement à changer de vie? C'est ça la première question. Par plein de gens est venu. Mais est-ce que nous le prenons réellement à changer de vie? Arrête à